Salut à vous tous et à vous toutes. Je dis à Timing de Chouf pour vous présenter une spéciale édition sur la compréhension que nous devons gagner sur la réalité du conflit. Car tout un chacun a besoin d'avoir une bonne notion sur cette question du conflit. Un conflit, c'est un concept qui doit intéresser tout le monde qui vit, qu'il soit dans le foyer, qu'il soit à l'église, dans le pays. Les leaders, les dirigeants ont besoin d'avoir une bonne compréhension sur cette réalité. Il y a différentes façons de nous capables de définir ce concept. En général, lorsqu'on a parlé de conflit, ça qui toujours vient dans la tête, nous toujours pensé à un antagoniste, nous pensé avec incompatibilité. Lorsqu'on a pensé avec conflit, nous avons contradiction, nous avons opposition, nous avons clash, hostilité, dispute. Ce sont des mots qui ont rapport à cette réalité de conflit. Lorsque nous parlons de conflit, nous avons tension, eh bien, les gains, conflit, eh bien, dans la relation, n'y a pas gain désir pour communiquer intimité yo pour moun qui a vivre en foyer ou bien qui gain relation mais conflit a li capable affecter li depuis gain conflit et bien li pral naturel nous pral wè pral gagner en pile colère et colère là apparaît de façon très vite qui n'est pas petit bagaille si j'ai deux amis qui en conflit et bien qui n'est pas petit parler en colère là vient éclater et bien depuis gain conflit tempérament moun yo li de façon drastique li vient changer mais la réalité du conflit, c'est un concept qui est important pour nous chaque temps là pour nous avoir une notion de lui. Conflit, nous capable de dire argument qui existait entre deux ou plusieurs mondes. Le conflit, c'est un état d'esprit côté que ou joindre les vins possible pour nous prendre décision lorsque nous gain conflit, c'est des batailles qui existaient entre pays, entre groupes. Le conflit, c'est différence qui capable pas exister entre plusieurs croyances, plusieurs idées ou bien plusieurs intérêts. Eh bien, nous chaque temps de là, nous capable très rapidement comprendre depuis que nous parlons de conflit, pas pour gagner question croyance, gagner question idée et puis gagner question intérêt. Eh bien, trois éléments ça est important pour nous rappeler lorsque nous parlons de conflit. Conflit, nous capable dire c'est opposition qui existe entre différents partis, entre différents groupes. Depuis qu'il y a opposition, qu'il y a antagoniste, nous dit des conflits. Mais qui t'aime continuer pour me dire non, conflit, c'est une réalité que nous jouons partout. Eh bien, conflit existe entre pays. Si nous prenons nous-mêmes comme Haïtien Captain Demla, eh bien, Haïti avec République Dominicaine, ce sont deux pays voisins, mais qui toujours gagnent des antagonistes entre citoyens pays, ça y est. Si nous prenons les États-Unis et la Russie, qu'on gagne des conflit qui existait entre eux-mêmes. Si nous considérons la Corée du Sud et la Corée du Nord, ce sont deux pays voisins, mais il y a toujours des problèmes. Israël avec Palestine, par exemple, au niveau des pays, eh bien, nous, un conflit, il existait. Au sein de la famille, la réalité du conflit existe aussi. Si nous prenons un travail, il y a une question de conflit dans le travail. En général, conflit existe dans les relations interpersonnelles, relations entre amis, relations entre membres d'une même famille. Dans les business, il y a conflit d'intérêts. Nous jouons conflit dans les églises. Son façon pour nous dire conflit, nous jouons de tous côtés. Si nous faisons garder ça qui cause conflit, la PD nous a comprendre le phénomène conflit à plus bien, de façon approfondie. En considérer quelques sources qui capable cause conflit. Qui côté conflit sorti en général? Pour nous arriver à comprendre la réalité du conflit, il est important pour nous être capable de considérer les trois principales sources de conflit. Il y a un psychologue américain qui relaie Daniel Card. Dans la recherche, il est venu d'abord pour dire une source de conflit, c'est question économique. Mais pour le psychologue, ça, il dit lorsque les ressources ne sont pas en pile, c'est inévitable pour le conflit éclater. Ça vient de faire comprendre qu'il y a un pile foyer qui toujours a gagné goumé, gagné bataille, gagné conflit entre mari et madame. Mais lorsque pas gagné pile moins économique, il est capable bien source de conflit. Si nous considérons aussi la réalité de notre pays, qu'un conflit dans mitant nous, eh bien une cause, c'est parce que pas gain pile ressources dans pays là. Toujours gros groupe monde qui voulait faire mainmise sur les ressources qui existent dans pays là. Lorsque pas gain pile ressources, il est capable bien cause de conflit. Deuxième source qui cause conflit, c'est valeur. L'en parler des valeurs, non, croyance. Par exemple, dans les sociétés
réalité, nous jouons différents types de croyances. Il y a un pile monde qui croit que c'est bon Dieu qui crée le ciel et la terre, tout ça qui la donne. C'est bon Dieu qui crée l'homme, c'est ça que nous croyons nous-mêmes qui parlons avec quoi. Comme ça, tout, il y a des monde qui dit, eh bien, le monde a été créé par un phénomène Big Bang Theory. C'est une théorie qui est venue, puis on fait monde croire que le monde est arrivé au moment, il fait bang, on bruit fait, et puis toute bagaille créée. Honnêteté, c'est une valeur. Vérité, c'est une valeur. Façon monde gérer les biens de l'État. Il y a des monde qui croit que, eh bien, lorsque y a servi pays, eh bien, y a dû faire avec tout cœur, y a pas de pièce mauvaise foi. Ce sont des valeurs qui en pile monde dans la société à croire. Par exemple, la famille, c'est une valeur. Il y a des monde qui croit c'est carrière seulement. Il y a des monde qui fait équilibre là. Il y a une carrière, il y a une famille, il y a une petite. Mais comme ça, tout, il y a des gens dans la société qui décident, il dit, mariage pas intéressé. Ça, ce sont des valeurs. Eh bien, Mr. Kautz fait connaître que valeurs qu'on cause des conflits. Et troisième élément, il dit qu'il est capable de cause conflit, pouvoir capable yon source de conflit. Pas oublier, non, ça me dit non là. Conflit capable de cause économique, il est capable de cause de valeur, ça moun yon croit belief, il est capable de yon cause de pouvoir. Conflit capable de yon cause économique, eh bien, les gains pénurie, les gains rareté, les gains suffisance, depuis pas gain pile, ti ça qui gagne, li pral cause tout moun besoin gagner ça gagne. Nous capable di nan épisode jodi a, gain en général quatre types de conflits. Gain conflit interpersonnel, gain conflit intrapersonnel, gain conflit intragroupe et puis gain conflit intergroupe. Mais pour conflit interpersonnel là, eh bien c'est conflit qui existait entre individus. Deux moun, trois moun, plusieurs moun, ça c'est des conflits qui existaient que les interpersonnels. Deuxième conflit à nous dit en termes de type de conflit, gain intrapersonnel. Eh bien, conflit intrapersonnel là, c'est lorsque ou même ou gain conflit avec tête. Si nous faisons référence avec la Bible, psaume 94, verset 19, eh bien, un psalmiste l'a dit, les pensées sont en foule au-dedans de moi. Quelquefois, ou par contre, ça pour faire. Est-ce qu'on doit les amis ça? Est-ce qu'on doit sortir à chercher une telle activité? Eh bien, ou gain conflit. Ça ne parle de conflit intrapersonnel. Pour le conflit interpersonnel, c'est un type de conflit qui existait dans un team, dans un groupe. Un groupe de monde qui a un conflit entre eux-mêmes. Dirigeant groupe là avec l'autre monde qui est membre groupe là. Conflit qu'on existe entre eux-mêmes et puis gagner conflit entre les groupes intergroupe groupe A avec groupe B y a un problème ou bien conflit qui existe entre quartiers yo ça c'est des conflits interquartiers intergroupe c'est ça nous parlons de quatre types de conflits je dis à les amis yo me t'ai pour un petit temps ça pour attirer attention nous sur la nécessité pour nous chaque capable de là capable une bonne notion de conflit parce que lorsque nous comprenons ça conflit et bien lorsque nous fait face avec lui nous connaissons comment pour nous aborder mes conflits si on bagarre capable venir sans que nous pas chercher li de façon naturelle conflit capable éclater ou te nous avons bon ami ou bien ou gain madame ou bien ou gain ménage ou eh bien ou capable privé sans que ou pas rendre compte ou capable dire un bagarre et puis li interpréter en l'autre gens c'est ça que fait dans communication nous devons toujours à essayer évaluer ça n'a dit pour nous poser question pour nous chercher gain feedback afin que nous capable dire un bagarre normalement ça n'est pas vraiment méchant dans esprit non et puis il fait mal son réalité conflit a quelquefois il est capable destructif comme ça tout conflit a compte positif dans sens que ou capable gagner un petit problème avec un monde ou l'un de ou apprendre de petit problème non faire face avec l'avenir mais on dit très bien conflit de tout côté entre pays ou gain conflit dans foyer yo conflit dans junior dans institution nous yo c'est à nous chaque attendre lorsque dans situation de conflit d'abord chercher comprendre ça conflit yaye dans édition jodi a là nous pas aller plus devant mais nous connaît gien conflit résolution et bien les conflits a existé gien des techniques gien des stratégies pour nous capable résoudre un conflit mais jodi a nous pas parler de façon nous capable résoudre conflit a mais nous devons le focus montre comment li important et bien pour nous connaît ça conflit yaye et mais c'est une réalité que tout monde capable faire face malheureusement qu'on gien des monde qui dit ah pas j'aime gien problème à monde non c'est pas vrai ou gien doit pas connait que gien problème avec monde pour capable dire un bagage monde n'a pas fait pièce réaction.
action, eh bien nous capable gain problème. Yo parle de guerre froide. Et ça fait ça n'a dit yo nous doit évaluer pour faire en sorte que pour ne pas blesser l'autre monde, parce que il y a des monde qui très sensible qui n'importe ça ou dit pour capable gain bonne volonté pour dire et puis il capable causer des dégâts. Et je dis à me voulez attirer attention sur la nécessité que nous chaque captant de là pour nous comprendre ça conflit que nous chaque capable faire face avec lui qui soit jeudi ou bien demain. C'est ça qui fait me trouver l'important dans l'épisode jeudi pour me parler non en de conflit. Conflit c'est antagoniste, c'est problème qui capable exister entre plusieurs monde, entre plusieurs groupes, entre pays et puis entre les organisations. Et bien next time n'a pas une opportunité pour nous capable de comment ou capable résoudre un conflit. Attitude que nous devons gagner les non non conflit, parce que conflit pas veut dire pour relation écrasée, conflit pas veut dire pour pays écrasé, divorce dans relation mariage. C'est pour nous chercher vivre dans l'harmonie afin qu'on capable gagner une société idéale, pour nous capable vivre jodia et pour nous préparer pour la prochaine génération. Merci tout le monde qui t'attendait Time in the Truth. Nous espérons un rendez-vous pour une autre occasion. Merci en pile. Non moi c'est Laure Meus. Pour toute question à commentaire, nous capable écrire moi à timeinthetruth@gmail.com.